Donc, il est 6h30. Donc, Alan avait déjeuné, il était parti se préparer. Donc, moi, je profitais. En fait, je rangeais la table. Je mettais le bol dans le lavabo. Enfin, les choses qu'on fait le matin, une fois qu'on a fini de déjeuner. Hein, on se met en route tout de suite, on va dire. Hein? Enfin, moi, particulièrement, je me mets en route tout de suite. Je prends 5 minutes pour moi, le temps que moi je déjeune et que Alan se lève. Donc moi je me lève il est 6h05 et Alan se lève il est 6h30. Avoir un peu plus, mais ce matin ça va, il s'est levé tout de suite. Donc le temps là, moi je le prends de 6h05 à 6h30. Mais je prends du temps pour moi. C'est pour ça que je me lève avant lui. Comme ça, moi j'ai du temps pour moi en fait. Regarder mes réseaux sociaux, regarder mes mails, etc. etc. Je faisais chauffer une bouilloire pour me faire un café. Donc, en attendant que ça chauffait, je ressuyais ma vaisselle d'hier qu'elle allait à la goûter. Donc, je passe quand même un coup de torchon dessus. J'aime bien comme ça. Voilà. Il n'y a que mes couverts que je vais les repasser à l'eau. Parce que ben, quand ça sèche comme ça fait des petites taches sur les couverts. Et j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ranger mes couverts et qu'il y a des taches de calcaire dessus. Donc ça, je les ai laissés sur mon lavabo et je les ai lavés par la suite en fait. Et j'avais une astuce à vous faire voir, ben, tant pis si j'y pense et je vais vous la faire lundi. Je devais vous faire voir quelque chose et puis j'ai oublié. Donc là, c'était de la musique à la télé, puis je chantais. Alan était à la douche, je crois. Ben, je pense. Voilà, je sais pas, j'étais là, il y avait une chanson qui passait à la télé qui me plaisait, du coup je dansais comme d'habitude. Donc voilà, donc j'étais joyeuse ce matin, tout va bien. Je vais aller marcher cet après-midi, donc j'étais contente. Moi, voilà, je vais peut-être aller faire un tour à la farfouille, tiens. Je vais partir avant et puis je vais aller faire un petit tour à la farfouille. Donc allez, arrête, on va arrêter de dire des bêtises, Nathalie. Donc là, j'ai plié mes lavettes. J'ai lavé tous mes microfibrières à 60 degrés. Oh ah ouais, au moins ma machine elle a chauffé là. Elle s'est fait un bon décrassage. Donc j'ai, comme hier, j'ai fait ma salle de bain. Et quand c'est comme ça, bah, après, je prends tous mes microfibres de la semaine. Et je fais une machine de mes lavettes en fait. Voilà, donc je les plie correctement, mes secoues. Donc il y a des moments où je les plie comme ça, il y a des moments où je les plie autrement. Après, vous êtes beaucoup m'avoir dit, oh, je connaissais pas le système de pliage de serviettes. Donc voilà comment je plie mes serviettes. Pourtant au début, enfin au début non. L'année dernière, je crois, je faisais voir comment je pliais mes serviettes et tout ça. Donc, après, je sais pas comment je fais pour mettre les points, parce qu'il y a des youtubeuses, ils disent, si vous voulez revoir la vidéo là, cliquez sur le i que je vous mets là en haut, mais moi, je sais pas le faire. Je sais pas le faire, moi. Donc là, je dépendais mon linge, il était sec, c'était d'hier. Donc, hier, il y avait quand même du vent, mais moins qu'aujourd'hui. Donc, j'avais mis mon tankerville dehors, et puis, tu y étais sec, en fait. Mais là, non, je ne vais pas prendre le risque de le mettre dehors parce que je sais qu'il va baler. Donc baler, c'est tomber en fait. Voilà. Donc je range mes microfibres dans la boîte. Là, j'étais encore en pyjama. Et après, je partais à la douche. Tu étais fait. Je dis, ben, j'allais à la douche tout de suite parce que je présentais un live à 10h. Et je me suis dit comme ça, tu y es propre. Donc j'avais fait tout mon ménage. Ben, après, comme je vous ai dit, ça va être un vendredi. Le titre va être Vendredi, ménage vite et bien fait quoi. Parce que comme je fais toute la semaine, après le vendredi, c'est. Voilà, c'est tranquille quoi. Je donne un coup. Et puis voilà. J'ai fait avec mon balai vapeur. Un coup le vendredi, je fais vraiment à fond. Je redonne, je relave raclo, serpillière, eau bouillante. Mais là, il n'y avait pas besoin. Mes sols, ils étaient propres. J'ai donné un bon coup d'aspirateur, balai vapeur, re-aspiré, et puis c'était propre. Donc je pense maintenant je vais laver à l'eau chaude le lundi, puis le restant de la semaine je ferai le balai vapeur
pour la période de printemps-été, quoi. Après hiver, commence à aller un peu plus, là, peut-être que je vais encore changer. De toute façon, je vous dis ça aujourd'hui, vendredi, et puis la semaine prochaine, je vous dirai autre chose. Autre chose. Excusez-moi. Donc voilà, donc je dépendais. Alan m'avait récupéré sa veste de foot au stade. Il était temps parce que ça fait des mois qu'elle est au stade, sa veste. Et tous les semaines, je disais, Alan, récupère ta veste. Alan, récupère ta veste. J'avais même envoyé un message au président. Il me dit, ouais, la veste, elle est là, mais c'est à lui d'aller la chercher, quoi. Donc là, je m'avais trouvé une ceinture parce que je sais plus où j'avais mis la mienne. Du coup, j'avais la ceinture de monsieur. Bon, elle est grande, hein. Mais tant pis, moi ça me maintient mon pantalon. Faudrait que je me rachète deux, trois pantalons. Faudrait que je fais un tour sur Vinted ou à Kiabi, ils sont pas chers. À voir quoi. Donc de là, j'ai fait mes petites poussières vite fait. Pareil, j'ai mis le carrelage au savon noir sur ma table qui avait des taches parce qu'Alain a déjeuné là ce matin. Et il m'avait taché ma table. Du coup, j'ai mis le pit-pit de carrelage au savon noir. Et puis, je laisse agir. Et tant que ça agit. J'ai fait mes poussières, enfin là, j'ai mis une chaîne des youtubeuses, je sais pas pourquoi, de la musique, je repasse à YouTube, je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas, moi-même, je sais pas. Et j'ai secoué mon tapis, je l'ai laissé dehors, j'ai sorti tous mes coussins. Pareil, j'ai tout mis sur la chaise, je dis au moins, ils vont aérer. J'ai mis mes claquettes dehors, au bord. Et je me suis attaquée aux poussières. Donc j'avais pris une microfibre avec le produit Fabuloso que j'ai mélangé dans un peu d'eau. Oh, mais c'est celui-là, franchement, c'est une dinguerie. C'est waouh. Je crois de toute façon la semaine prochaine je vais à l'action. Je vais racheter la soupline, la violette. Je vais reprendre Bubblegum. J'espère qu'il y en a encore. Je vais reprendre 2 bouteilles. Et je vais reprendre 3 bouteilles de senteur de linge. Comme ça, je vais faire mon petit truc du mois. Là, je peux pas encore vous faire un haul retour produit ménager fini parce que j'ai pas tout fini, puis le sac est pas rempli. Donc, c'est pour faire une vidéo de 10 minutes, c'est pas la peine. Du coup, j'ai bien secoué mes plaies, enfin mon plaid, je l'ai remis en place. J'ai passé un coup de microfibre partout pour les poussières. Et puis c'est tout quoi. Et après j'ai passé l'aspirateur. Et puis le quotidien du matin, on va Bonjour, dire. bonjour mes petits chats. Donc je vous prends ce matin, il est déjà 8h. On est le 2 vendredi, donc ce soir, ça y est, c'est week-end. Yes, week-end, ça y est, c'est week-end. Voilà, donc allez hop, je vous prends avec moi pour une nouvelle vidéo avec moi. À tout de suite. Donc là, écoutez le temps, je vais ouvrir. Donc temps gris, du vent, du vent. Du vent. Donc j'ai mis mes coussins dehors pour qu'ils aèrent un peu. Hier, monsieur a fini tout l'encadrement là. Et hier, il travaillait ici. Et il a pris une planche. Et puis sur ma suspension qui était là, boum, par terre. Du coup, on l'a récupéré, on l'a mis là-bas. Et là, on est racheté. Parce qu'ils vendent des suspensions vides, donc on va en la racheter une. Et puis voilà. Mais là, franchement, il y a du vent. Regardez les arbres et tout, il fait froid. Je sais pas combien il fait de degrés, mais là, franchement, il fait froid. Donc, je rentre tout de suite. Donc, là, je commence à faire un peu de poussière. Donc, vite fait, parce que c'est rien de sale. J'ai mis du produit sur ma petite table. Je vais aspirer. Je vais passer le balai vapeur tout aussi. Mais c'est pas ça. Le seul, c'est les cahiers à l'âne à ranger. J'ai commencé à plier du linge avec vous. Donc, plier tout. J'ai plus qu'à ranger. J'ai une machine qui tourne. Et puis, voilà. Il n'y a rien de salle pour aujourd'hui parce que en plus cet après-midi donc je vous fais live à 10h et cet après-midi je pars à Carrefour chercher des packs d'eau et mon mari me récupère là-bas donc je m'attaque tout de suite à mon ménage du quotidien donc ouais ça va être un ménage quotidien en fait il n'y a rien à faire aujourd'hui quoi voilà bah allez on fait le ménage ensemble.
Donc là, je prenais une microfibre, j'avais retourné un tabouret. Là, j'ai vu mes lampadaires, ils avaient de la poussière. Mais je ne mets pas de produit dessus. Je prends juste la microfibre et je passe comme ça. Comme c'est du métal et tout, je mouille pas. Je ne mets pas de produit, peur que ça reste marqué en fait. Donc je donne un coup de microfibre dessus en fait, tout simplement. Donc je fais les deux. Et après, ben, je mets mes tabourets sur la table. Et puis de là, je me suis dit, quand je passe l'aspirateur et tout, je dis, bah tiens, je vais tout bouger là en dessous de ma colonne et tout ça. Comme ça, hop, ça sera à faire. Ça, je le fais tout automatiquement tous les 2 semaines. Le tapis par terre, tout ça, je le fais tous les 2 semaines. De toute façon, c'est pas trop sale, mais la poussière, elle se dépose comme tout, hein, on va dire. Hein. Du coup, voilà, du coup, je mettais tous mes tabourets sur la table. Je mets un coup de poussière microfibre dessus. Parce que la poussière, ben, puisque monsieur y a coupé du bois et tout, ben, la poussière automatiquement, hein, elle va être là, elle va bien se poser, cette petite poussière. Il faut bien qu'elle se pose quelque part, cette petite poussière. Elle se dit, ben, Nathalie, elle va m'enlever après. Ben, tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, donc je vous remets de la musique et puis je vous laisse visionner cette vidéo. Donc là, je me suis fait de ma colonne, donc j'avais la poussière de ma plante. Après, je l'avais passée sous l'eau, comme c'est une petite plante artificielle. Bon, moi, j'aime pas ça, mais c'est pour monsieur, ses photos et tout ça. Donc j'en ai qu'une dans la maison. Après, ouais, encore à la rigueur, dans les salles de bain, où il n'y a pas de fenêtre et tout ça, pourquoi pas. Mais sinon, moi, je suis pas pour les plantes artificielles, quoi. C'est pas mon fort. Après, chacun ses goûts, ses couleurs et ses envies, on va dire. Donc là, j'ai dépoussiéré tout. Là, pareil, sur mon plateau en bois, je mets rien du tout. Donc toujours la même microfibre et je donne un coup comme ça au sec. L'horloge, pareil, le réveil, je ne mets pas de produit dessus, rien du tout. Après, ben, j'ai enlevé mon tapis, puis je vais continuer l'aspiration et le balai vapeur.
Donc là, ben, j'avais tout fini. Puis là, ben, je pendais mon linge, quoi. Et j'étais dégoûtée parce que je pouvais pas le mettre dehors. Parce que j'aime bien quand il fait bon que mon linge est dehors, quoi, qu'il prend l'air et tout ça. Et là, ben, niette, quoi. Niette, niette, niette. Donc là, je vous parle, il est bientôt 13 h. Tout le ciel est dégagé. Il y a du soleil, mais il y a du vent. Et puis, il fait froid. Il fait froid, en fait. Donc. Voilà, et les oiseaux, ils chantent, ça chante, ça chante. Voilà, le beau temps, il est là, il chante, mais il fait froid. Donc j'espère que pour ce week-end, on n'aura pas du temps comme ça parce que je vais être blasée. Ça va me dégoûter. Donc voilà, donc je finissais de prendre mon linge. Et puis voilà, quoi, je ne sais pas trop quoi vous dire, comme j'ai fait un live tout à l'heure. Voilà, mon petit chat. Il est 9 h 56, donc je filme la fin, puis je vais mettre en route mon live. Donc voilà, ben, là, ça a été vraiment du vite fait, bien fait. Vendredi, vite fait, bien fait. Ménage, on va dire vendredi, ménage, bien, vite fait, bien fait. Voilà, ça va être le titre de le truc. Voilà, donc j'ai aspiré, j'ai fait les poussières vite fait du fauteuil, j'ai mis en. J'ai aéré les coussins, j'ai aspiré, bah, les vapeurs. Donc pareil là. Donc la cuisine, il n'y a rien à faire. J'ai fait ma petite vaisselle qui est là. Là, je suis en train de faire mon lavabo. J'ai pendu mon linge. Donc j'espère que le soleil il va sortir pour que je puisse le mettre dehors. J'ai bougé mes banquettes. J'ai lavé derrière mes banquettes. Et puis là, j'ai fait pareil. J'ai enlevé le tapis et tout. Et puis j'ai tout bien nettoyé là. Comme ça, week-end, c'est propre. C'est bien rangé. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, mes petits chats, et puis on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Donc lundi, ouais, ça va être intense, ménage intense. Allez, je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous, profitez du soleil si vous en avez, parce que moi, c'est pas le cas, et je vous fais des gros, gros, gros bisous. On se retrouve lundi, bye bye, mes petits chats, je vous adore, bye bye.